Lyon Royal, il nous a donné rendez-vous, monsieur le maire, il nous a donné rendez-vous le 19 mars pour le Corso Royal. Nous avons le 19 mars, les des entraînements fractionnés aussi, du step, de l'aérodance, on ne l'ajoute pas. Plus de 9000 gerberas connaissent le char, un char conduit par Jean-Pierre Peigne, le groupe des éclaireuses et éclaireurs de hier a été fondé dans la cité des Palmiers en 1911. Devant la tribune officielle, pour ce troisième passage, Sénégal et les Brésiliennes. Tout à l'heure, je vous ai parlé des costumes. Je reviens quelques instants pour les personnes qui n'ont pas encore pu les voir appeler ces costumes. Ces costumes sont issus de la parade de 2012 de l'école de Port-Léal.
public, c'est vous public qui votez. Le vote du public est vraiment indispensable. Le char numéro 1 qui passe à nouveau devant la tribune officielle. Les Tougans et l'amical du personnel. C'est le char de Brésil. Nous sommes, je l'ai dit, très heureux de retrouver sur ce corset l'amical du personnel de la mairie de Bord-les-Mimosa qui a construit le char avec l'amical, donc la fameuse et indispensable association Tougan qui offre pour la préservation de la planète. Le char a été habillé de Gémini. L'association Tougan a réalisé le choix de ramener Bob le Lavandou à Paris avec tout ça en relief sur un jour non-stop. 206 km au total. Derrière même le tennis club de Bord-les-Mimosas.